dans cet exercice, nous sommes toujours avec un navigateur internet en mode de navigation privée et nous devons faire une recherche pour trouver le meilleur prix pour l'achat de 50 masques à usage unique parmi 3 magasins proches de chez vous. Ensuite, vous afficherez ces 3 résultats dans 3 onglets différents et nous terminerons par la même recherche, mais cette fois-ci en vente sur internet, et nous mettrons les résultats donc de ces mêmes 50 masques à usage unique dans 2 nouveaux onglets. Dans cet exercice, je dois trouver avec mon navigateur navigation privée donc 50 masques à usage unique et faire une comparaison. Donc sur différents sites. Alors je me mets en navigation privée, donc toujours dans Edge, la nouvelle fenêtre navigation privée, donc in private. Donc je vais taper ici dans le moteur de recherche associé au navigateur 50 masques usage unique et je vais taper Carrefour, puisque je dois chercher ça dans les magasins de proximité de chez moi. Donc je vois que dans Carrefour j'ai 50 masques pour une dizaine d'euros. Donc je vais changer de boutique. Je vais essayer maintenant chez Monsieur Leclerc. J'envoie ma recherche. Hypermarché Leclerc, j'ai une réponse ici. Et ah, 50 masques qui se trouvent être ici, d'accord, et on va prendre Intermarché. Il se trouve qu'il y en a à proximité de chez moi et je regarde. Alors magazine économique Intermarché, ah, voilà, donc 50 masques chirurgicaux. Donc je vous rappelle, pour ouvrir un nouvel onglet, je mets mon curseur sur le lien hypertexte, j'appuie sur le bouton central. Et alors, donc, j'ai une proposition à une petite dizaine d'euros. Je fais maintenant une recherche sur le net. Sur le net, donc les magasins en ligne. On va essayer chez Amazon. Chez Amazon, on me propose ici 50 masques 3 plis, on va essayer ça. Je l'ouvre dans un nouvel onglet. Chez Amazon, j'accepte les cookies. Et je suis à une dizaine d'euros, enfin 11 euros, même douzaine d'euros. Ok. Et qu'est-ce que je vais essayer? Ben, je vais essayer Cdiscount. Cdiscount. Et chez Cdiscount, masque usage unique, toujours d'habitude. Alors, je vais ouvrir dans un nouvel onglet en faisant un petit clic droit pour une fois et ouvrir dans un nouvel onglet. Donc Cdiscount, on me propose un produit à une dizaine d'euros. Donc en ayant été très très rapide, je peux, avec cette technique des onglets, faire un petit balayage. Donc on est à 10 euros chez Carrefour, chez Leclerc on est à 4 euros, Intermarché on est aussi une dizaine d'euros, et sur le net on est plutôt à une douzaine d'euros pour affiner les choses. Chez Cdiscount aussi une dizaine d'euros. Et voilà, donc j'ai une réponse assez claire sur l'endroit où je pourrais acheter mes produits.